Bonjour, on va voir ensemble aujourd'hui comment faire un tapis au crochet, soit avec une laine qu'on achète spécifiquement pour faire le tapis, ou bien avec on utilise le reste de laine qu'on a à la maison. De quoi on aura besoin? Pour ce tapis-là, moi j'ai utilisé un crochet numéro 10. Voilà, j'ai utilisé un crochet numéro 10 pour celui-là. Ensemble, on va utiliser un crochet, celui-là, c'est le numéro 8. On va utiliser le numéro 8, là. On aura besoin de ciseaux juste pour couper les fils à la fin et une aiguille pour faire entrer les bouts de fil. C'est tout. Donc, on commence notre travail par faire un nœud. Je commence par faire le nœud, d'abord. Voilà, je fais comme ça. Et je prends le fil et voilà. Je fais un nœud comme ça. Je prends mon crochet et je vais faire mes mailles chaînettes. Pour celles qui ne savent pas, je fais un jeté et je fais sortir une boucle. Ainsi, voilà, comme ça. Un jeté et on fait sortir la boucle du rang là. Voilà, comme ça. On fera, vous faites les mesures que vous voulez. C'est que, donc on va utiliser que des mailles serrées, donc. Il n'y a pas un nombre de mailles spécifique. Voilà. Voilà, on va faire comme ça, un petit échantillon. Je saute la première chaînette et je vais sur la deuxième. Je m'introduis, je fais un jeté et je tire le fil. J'ai deux boucles sur le crochet. Je fais un autre jeté et je les laisse tomber. C'est mon maille serrée. Donc, je vais sur la deuxième maille chaînette, je m'introduis, un jeté, je tire une boucle, j'ai deux boucles, donc je fais un jeté, ça veut dire je prends le fil et je laisse sortir les deux boucles. C'est ça la maille serrée, je fais ce travail sur toutes mes mailles, sur le premier rang. Ce travail va se faire sur deux rangs, c'est tout. Donc ça va être rapide. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous aimez la vidéo, les explications, un like fera plaisir. Ainsi, laissez vos commentaires. Et merci. Donc on continue à faire notre maille chaînette. Nos mailles serrées, voilà, comptez les nombre de mailles que vous allez faire au début et vous devez garder le même nombre pour avoir un tapis bien régulier. Regardez, je viens sur ma dernière, je m'introduis à l'intérieur et je fais ma dernière maille. Voilà, ça c'est des mailles serrées. Donc je fais une maille chaînette, je tourne le travail et je vais sur la première. La première, non, on ne saute pas, on va sur la première maille et on travaille. Si vous sautez, le nombre de mailles va diminuer et votre travail va aller en biais. Donc, quand on fait une maille serrée, on commence le rang par une maille chaînette, mais elle n'est pas considérée comme maille serrée. Donc, on fait une maille chaînette, mais on travaille la première. Voilà. Je m'introduis dans ma première maille. Regardez là. Normalement, je m'introduis, je prends le fil et je viens après. Mais là, je m'introduis, mais je prends le fil. Regardez, je noue le fil autour de mon doigt. Et je m'introduis par le bas pour aller chercher ma boucle. Mais je garde le fil sur le bras. Comme ça, je garde mon nœud. Donc, et je vais, comme ça, je vais aller chercher le fil pour ma maille jetée et pour faire sortir les deux boucles. Voilà, je fais sortir la première et je vais sortir la deuxième. Je tire un petit peu et voilà, et j'ai ma boucle derrière. Je recommence. Donc là, je m'introduis dans ma maille et je noue le fil, je noue le fil autour de mon index et j'introduis le crochet par en dessous et je tire une boucle. Je vais aller chercher le fil comme ça
et je laisse sortir les deux boucles. Voilà. Donc, vous avez vos boucles, vous tirez un peu pour les serrer. Donc, on continue. Vous travaillez chaque maille comme ça. Donc, je continue. Alors, on a dit, j'introduis mon crochet et je noue. J'introduis mon crochet, je noue le fil autour de mon doigt, de mon index, et j'introduis le crochet par le bas pour aller chercher une boucle. Voilà, j'ai la boucle sur mon crochet. Maintenant, il me faut un jeté pour pouvoir les faire sortir toutes les deux. Donc, moi, personnellement, je fais comme ça. Je baisse le crochet et je vais aller chercher mon jeté pour faire sortir les deux boucles. Et je tire un peu. Voilà, je recommence encore. Je ne sais pas pour les gens qui font comme ça, comment ils vont faire. Mais en tout cas, voilà, le principe est là. À vous de vous débrouiller pour le... Donc, je recommence mes explications. Donc, j'introduis mon crochet tout d'abord. Je noue le fil autour. On essaie de garder la même tension pour avoir les mêmes dimensions, les boucles de même dimension. C'est pas grave s'il y a une qui dépasse, mais on essaie de garder la même tension. Donc, j'introduis mon crochet dans le nœud que je viens de faire et je garde le nœud sur mon index. Donc, et j'ai deux boucles sur le crochet. Maintenant, il me faut un jeté pour les faire tomber. Donc, je fais comme ça. Je vais chercher le fil. Je l'ai là. Donc, j'ai mon jeté. Et maintenant, je fais sortir mes deux boucles. Je travaille chaque maille. Hein. Ne laissez vérifier vos mailles. Ne les laissez pas tomber en cours de route. On a fini ce rang. Voilà. Donc, je fais une maille chaînette. Je tourne mon travail. Sur le devant du travail, on va faire que des mailles serrées. Et j'ai dit qu'il fallait commencer par la première. Là, j'ai ma maille chaînette que je viens de faire. Et là, c'est ma première maille serrée. Donc, je m'introduis dedans et je fais une maille serrée. C'est un rang de mailles serrées. On fait des mailles serrées tout le long du rang. Comme j'ai dit au début, il n'y a que deux rangs. Un rang de mailles serrées et un rang où l'on fait ces nœuds-là, ces nœuds larges. Ça donne un aspect de tapis. Voilà ce qu'on obtient. Là, je fais une maille chaînette, je tourne mon travail et je recommence. Donc, je vais aller dans la première maille. Là, je noue le fil, je m'introduis par le bas et je vais aller chercher ma boucle. Ensuite, je prends mon fil qui est là, hein, je fais un jeté et je laisse tomber les deux boucles. Voilà. Je tire. Voilà, je fais comme ça. Ce rang, c'est ça qui va nous ralentir un petit peu, mais c'est rapide de faire ce tapis. Le deuxième rang, ça passe vite. Voilà. Voilà. On continue comme ça, le nœud, je tire une boucle, ensuite je vais aller, vous pouvez laisser tomber votre boucle, mais à condition de l'attraper par les autres doigts et aller faire votre jeté. Toujours je garde ma boucle pour qu'elle ne m'échappe pas, et voilà. Donc vous trouverez sûrement la façon de faire qui vous arrangera. Mais le principe est là. Hein? Voilà. Donc, comme j'ai dit, donc je noue, je peux faire sortir mon index, et donc, mais je l'attrape avec les autres doigts et je fais mon jeté. Je continue ma maille serrée normale. J'espère que j'ai été claire. Vous allez faire ce tapis et que vous allez l'aimer. Si vous avez compris mes explications, comme j'ai dit au début, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, on fait comme ça. Je garde ma boucle sous mon doigt, hein, et je continue. Le rang suivant, on fait toujours, on commence le rang par une maille chaînette,
Hein? Ou bien on termine par une maille chaînette et on tourne le travail. On travaille les mailles, toutes les mailles, on ne laisse aucune pour avoir des bords réguliers comme ça, pour avoir un bord régulier. C'est parce que si vous laissez la première maille, et ça va, vous allez travailler en biais, vous aurez des diminutions de mailles. Donc, pour ça que je le dis. Donc, voilà, je continue. L'autre rang, ce sera un rang de mailles serrées, et puis ainsi de suite. Et le rang suivant, ce sera un rang comme ça. C'est tout. C'est pour ça que j'ai dit que c'était facile. Il suffisait de savoir faire une maille serrée. Voilà. Voilà, ainsi je termine ma vidéo. Je termine ce point. Je fais une maille chaînette. Vous tournez votre travail sur le devant. Puisqu'on a fait une maille chaînette, on commence toujours par la première. On fait des mailles serrées. C'est un rang de mailles serrées. Le rang suivant, et ainsi de suite. Vous aurez un travail comme ça. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et on se retrouvera dans une autre, Inch'Allah.